Madame, monsieur, bonjour, bonne fête à tous et à toutes. D'autant plus qu'au-delà d'une fête musulmane, c'est la fête de tout le monde. Aujourd'hui, tout le monde est invité à partager le mouton. Merci en tout cas de prendre le temps d'être avec nous pour cette tranche horaire. Le contenu est quelque peu modifié. Nous avons les invités DCM, mais ça vous le savez. Et nous avons choisi pour aujourd'hui spécifiquement un groupe qui va nous accompagner avec à sa tête Sally Djeli. Alors c'est pour vous dire merci en tout cas d'être là et c'est leur manière de vous saluer également. On les écoute. Solo, Kobaka, Kobarika, Ayamanu, Kobarika,
ko barika savane ko barika nina dusu ko barika joni beni dalolo nina dusu ko barika jawude yi lelele nina dusu ko barika. Salut Jelly, bonjour. Oui. Bonjour Mariam. En tout cas, ça fait plaisir de te recevoir sur notre plateau. Merci. Alors, on ne vous voit pas très très souvent à la télévision. Bon, c'est parce que je suis pris. D'accord. Je voyage beaucoup. Ok. C'est pour cela que je n'ai pas le temps suivant pour venir à la télé. D'accord. Parce que je voyage beaucoup. Donc on a la chance alors. Ah oui. Actuellement on a la chance. Oui, oui, oui. Alors, Sally Jelly. Merci à Dieu. Merci à Dieu. Oui. Sally Jelly, vous chantez depuis quand? Depuis à l'âge de 12 ans. 12 ans? Oui, je suis griotte. Ma mère est griotte. Mm-hmm. Mon papa est griot. Mm-hmm. Donc, depuis à l'âge de 12 ans. D'accord, mais quand le papa est griot, la maman est griotte, oui. Est-ce qu'on peut faire autre chose ou bien c'est normal de si chanter? Si, on peut faire autre chose. Sally Jelly fait autre chose. Mm-hmm. Je chante, mais Sally Jelly fait autre chose. Mais Sally Jelly, elle pouvait ne pas chanter ou bien c'est normal, tout le monde doit chanter. Bon, comme je suis une femme griotte, mm-hmm. c'est forcé que je chante. D'accord. Oui. D'accord. Oui. Et c'est comme ça avec les hommes aussi ou bien c'est les femmes simplement? Bon, les hommes, oui. Les hommes aussi. Oui. D'accord. Pour eux, ce n'est pas forcé, mais mm-hmm. en tout cas, quand on te dit griot ou griotte, mm-hmm. il faut que tu chantes. Notre travail, c'est ça. D'accord. Maintenant, le griot ou bien la griotte, il doit connaître l'histoire de quelle famille? Parce qu'on a remarqué que les griots connaissent l'histoire, mais ils choisissent comment ça se passe. Bon. Par exemple, comme pour les Touré ou bien Meïté, bien Bakayoko. Oui. Moi, je suis des Kani. Mm-hmm. Kani, c'est pour les Bakayoko, mais aujourd'hui, c'est les Meïté qui sont là. D'accord. Oui. Mm-hmm. Donc, moi, je connais ça. D'accord. Oui. Donc, c'est la maman qui vous apprend. Bon. Quand tu es né dans un truc. D'accord, ok. Tu grandis. Voilà, tu grandis avec ça. D'accord. Ouais. Donc, vos filles aussi, vos enfants aussi, vous allez leur transmettre l'histoire et puis ils vont continuer. Oui. Mmh. C'est pas forcément que nos enfants chantent, mais où on vient, on va leur dire. D'accord. Quel que soit, tu deviens, tu fréquentes, tu vas avoir travail, mais c'est que sûr. Faut pas oublier que tu as une femme griotte. Mmh. Donc, c'est tout. D'accord. Très bien. Alors, Sally Jelly, elle fait autre chose. On dirait que c'est une femme d'affaires. On dirait. Je fais pas d'affaires, c'est que sûr. Uh-huh. Je suis commerçante. Ah, ah. Ouais. D'accord, mais c'est ça, c'est une femme d'affaires. Mmh. Alors aujourd'hui, c'est un jour spécial. Oui. Et vous avez l'occasion de parler à la Côte d'Ivoire, même au-delà de la frontière ivoirienne. Oui. On vous écoute. Madame, merci. Merci. Ce que je vais dire là, je dois dire merci parce que j'étais allée en France. Mmh. Vraiment, les femmes qui sont là-bas, là, ce qu'ils ne m'ont pas donné là, je n'ai pas vu. Quand on dit « oh là », ils m'ont donné. Quand c'est l'argent, ils m'ont donné. C'est pas ça même qui est le problème. De façon qu'ils m'ont accueilli là, ça m'a suffi. Donc, je leur ai dit merci. Merci beaucoup. Adia Manou, à ses enfants, Madame Touré BTS, Nana Baraté, Maseya Fatou, Lagi Vassin Moumamadé, je vous dis merci. Mariam Bazin, il y a une dame à Paris, on l'appelle Mariam Bazin. Tu vois Bazin que j'ai porté? En tout cas, c'est joli. Celle qui m'a envoyé. D'accord. Quand j'ai dit que je passe à la télé, elle m'a envoyé ça. Mariam Bazin, je te dis merci. À toutes les femmes de Paris, je vous dis merci. Je ne vais pas oublier, en Italie, j'ai fait un tour là-bas. Je l'ai dit vous merci. Voyagez beaucoup, c'est bien ça. Ouais, mais pour la fête de Tabaski, quel est le message? Mmh. Parce que vous avez beaucoup de fans aussi. Oui, en Côte d'Ivoire ici. Mmh. Merci Mariam, je vais. Mmh. En Côte d'Ivoire ici, la fête de Tabaski. Ma fond, la même marani, Nkanoumara Beye, Nwaï Samé Samé. Groupe Lumière, groupe Brillant, groupe Jeune Fille, groupe Sally Jelly, groupe AGK. Groupe Princesse,
Et Allah, je ne peux pas oublier groupe Bena. Aïssa Mesame. Allah ka sawara yara ansi kenela. Allah ka beson herela. Et Allah, ne be mi fon la même rouye. Aïni tche y ka menko sali djeli. Ne kanimba ou lebe ne ke sali djeli. Sinon ne te fouye ou. Ne kanimba ni ntabra ou. Alou lebe ne ke sali djeli. Et Allah, sans oublier Batroma Diallo. Kadi Bakayoko. D'accord, mais sali djeli, tu salues les gens que tu connais. Mais ceux que tu ne connais pas qui t'aiment. Ceux que je connais pas, c'est vrai. Nka milon, te milon. Mbaye befo. Mo Côte d'Ivoire. Ali ni Côte d'Ivoire, te Mali, la Burkina, Sénégal. Diamana be, ali Belgique. Mbaye befo, mi ben lon, mi ten lon. Ni ne sali ka diye, me befo la. Ali ni mandiye, ala ka saura yeran be si kenela. Amin. Me befo. D'accord, maintenant parle en français pour ceux qui aiment ta chanson, ta oui. musique, mais qui ne peuvent pas dire. Oui, des fans aussi. Et puis avec ça, après, maintenant, tu vas chanter pour nous. Je l'ai dit, merci, mes fans. Ceux qui me connaissent, ceux qui ne me connaissent pas, ceux que je connais, ceux que je ne connais pas, je leur dis merci. Parce que pour aimer quelqu'un, ce n'est pas un petit truc. Je vous dis merci, mes fans. Je vous dis merci. Abarka. D'accord, merci beaucoup. Alors, on va te laisser t'installer encore. Parce que nous, on a choisi de t'inviter aujourd'hui. Et à chaque fois qu'on aura l'occasion, tu vas chanter. Et en tout cas, on est très heureux parce que tu chantes très bien. Merci, Mariam. D'accord. Alors, je vous le rappelle, donc, nous sommes à notre magazine Midi chez nous. Et c'est bien évidemment assez spécial aujourd'hui. C'est un jour spécial. Nous avons invité une grande cantatrice mandingue. Et elle va nous entretenir. Mais sachez également qu'il y a une constante pour aujourd'hui. Ça va être nos invités de la direction commerciale et marketing. Nous sommes en fait, mais ils sont là, ils ont des messages à vous faire passer. Sali Djeli, si vous êtes prête, nous allons vous entendre chanter avant de recevoir nos DCM. On vous écoute. Kaso se were do tale alale kambeda Ninyama soma, wule magi amomi yewa le wasebo, kaso se wale dotale. Alaleka
Dama, Allah amina ko nogoya, amina ko dogonu, kene kata anga mi fandra ma mi fada la ka bela jene nogoya. Sala rasul. Merci beaucoup. Merci. Alima, en tout cas merci pour ce passage rapide et puis en tout cas merci. Merci à vous, salut tout le monde. D'accord. Salam. Merci beaucoup. Alors voilà, en fait, et nous avons également choisi pour aujourd'hui. Vous savez, la télévision, c'est un métier où les jours fériés, comme aujourd'hui, il y a des personnes qui sont là, des personnes qui travaillent. Tout à l'heure, nous allons recevoir quelques-unes, au-delà des invités d'ECM, des personnes qui vont vous expliquer un peu le profil de leur poste et puis surtout comment est-ce que l'on travaille un jour de fête. Voilà, cela dit, nos DCM sont là, mais ce sera pour tout à l'heure. Nous allons les recevoir. Nous sommes de retour avec Sally Jelly. Alors, vous chantez souvent avec d'autres grandes chanteuses mondaines? Oui. Mm-hmm. Lesquelles, par exemple? Comme Tanti Mawa, suivant dans les mariages. Ciel Agomo, M.L. Vite. Comme ma petite sœur Djata. D'accord. Suivant. Comme aussi je fais les gombos. Quand j'ai des gombos, je les invite. D'accord. Moi, je fais beaucoup de mariages, baptême. Ouais. C'est ça même qui est mon travail, surtout. D'accord. Mariage, baptême. D'accord. Ouais. Très bien. Alors, nous allons vous permettre de vous reposer un peu. Oui. Nous allons recevoir, parce qu'il y a quelques invités qui sont là, qui ont des événements à annoncer. Alors, tout à l'heure, on va discuter à nouveau avec vous. Nous avons un invité qui arrive sur notre plateau, Abou Sanogo. Il est venu saluer également. Voilà, bonjour. Bonjour. Alors, aujourd'hui, c'est un jour spécial, oui. Jour de Sambé. Sambé, vous avez un message? Oui, je voulais dire, Sambé,
à vous. Sambe, sambe à votre équipe et puis sambe, sambe à toute la Côte d'Ivoire. D'accord. Vous vous présentez, Abou Sanogo, vous vous présentez. Abou Sanogo, journaliste à RTI. D'accord, très bien. Donc journaliste RTI. Donc on a cette histoire, cette passion de la télé en commun. Mmh. Et par exemple, un jour de fête. Oui. Dieu merci que l'équipe est là. Oui. Parce que les personnes assises chez elles regardent la télévision. Tout à fait. Donc quand c'est comme ça, comment est-ce que l'on ressent en tant que journaliste, par exemple, ce jour de fête où tout le monde est à la maison et puis on est au travail. C'est comme si nous, on vivait un peu à l'envers. C'est vrai, mais on a le devoir quand même d'informer. Tout à fait. C'est vrai que tout le monde est à la maison, c'est un jour de fête. Mm-hmm. Mais le citoyen lambda a besoin de savoir un peu comment est-ce que la fête est célébrée un peu dans les différentes familles. Mm-hmm. Comment est-ce que l'on, en tout cas... célèbre un peu cette fête-là, ici même à la télévision et dans les différents foyers, mm-hmm. et puis dans les différentes mosquées. Tout à fait. Donc, nous, agents de la RTI, vous également, mm-hmm. On ne peut pas rester là les bras croisés. Il faudrait mm-hmm. qu'on reçoive un peu les uns et les autres mm-hmm. et puis voir un peu, démontrer à la nation qu'il y a du travail qui est fait. Mm-hmm. Et puis, les Ivoiriens sont en tout cas, certains sont à la tâche, mm-hmm. mais la fête continue quand même. D'accord. Donc il faut qu'on informe en tout cas tout le monde quand même. D'accord. En tout cas, merci pour mm-hmm. ce passage furtif. Mm-hmm. Et puis bon boulot. Hein. Merci beaucoup. Merci. Et à vous également et bonne fête de merci. Tabaski. Bonne fête également. Merci beaucoup. D'accord. Alors nous avons de la variété également, au-delà des personnes que nous avons sur le plateau. Et on revient tout de suite en studio. Choisi de mettre en avant, mettre à la lumière des métiers discrets de la télévision. Alors toutes ces personnes ont cela en commun, c'est un jour spécial, tout le monde est en boubou, musulman ou pas,
là n'est pas l'importance. L'importance, c'est de communier en ce jour important. Et ce sont des personnes qui ont laissé leur famille pour venir travailler. Alors, nous avons choisi de leur demander, vous êtes par exemple, vous, Fatim Cissé, bonjour. Bonjour. Vous êtes agent RTI. Exactement. Vous êtes monteuse. Voilà. Monteuse, qu'est-ce que ça veut dire? C'est tout ce qui est post-production, c'est-à-dire tout ce qui est fait là, il faille que ça passe après à mon service montage pour enlever les imperfections. Donc tout, voilà. Tout ce qui est à diffuser, voilà, passe par le service montage. Voilà. Lorsque c'est pas en direct. Lorsque c'est pas en direct. Voilà. Ça va être raccourci. Voilà. Et la cassette va être proposée. Donc, voilà, avec les modifications. Avec les modifications. Pour que ce soit mieux. D'accord, pour voilà. Que ce soit mieux. Alors, et un jour de fête, c'est spécial comme travail, ce que vous avez à faire? Bon, c'est comme tous les jours. Comme tous les jours, le travail est pareil. C'est pas parce que c'est la fête qu'on n'aura pas à faire le JT, par exemple, ou tout d'autres émissions. Mm-hmm. Donc, voilà, c'est comme tous les jours. C'est comme tous les mm-hmm. jours. C'est vrai que c'est un peu difficile de, mm-hmm. de venir travailler un jour de fête, mais il n'y a pas de problème. C'est comme tous les jours, donc on est un peu habitué. D'accord. Alors, quelle sensation ça fait d'être à l'antenne? Waouh, c'est bizarre parce qu'on est toujours derrière. Comme je disais tout à l'heure, c'est la post-prod, la post-production. Donc, on n'est pas habitué à être devant la caméra. Ça fait bizarre. Ça fait bizarre. Voilà. Mais c'est agréable. Comme... Très agréable. C'est très même. Agréable. Voilà. Et surtout, après, on devient une star. Ouais, quand même. Je vous remercie. Vous avez un message aujourd'hui? Bon, j'aimerais souhaiter une bonne fête de Tabaski à tous les musulmans et à tous les agents de la RTI qui sont actuellement à pied d'œuvre. Mmh. Voilà. D'accord. Très bien. Merci beaucoup en tout cas. Si. Alors, et vous vous présentez? Salut madame, je suis Konaté Seri. Oui. Je suis caméraman à la RTI 1 Production, CS Production. D'accord. Parlez un peu plus fort. Donc, caméraman. Oui. Donc, ça veut dire que celui qui est derrière la caméra, donc jamais devant. Justement, nous sommes tous derrière la caméra, comme vous le dites. Mm-hmm. Aujourd'hui, peut-être nous avons eu la chance d'être devant la caméra. Mm-hmm. Voilà. Et quel sentiment? Oh, bon, écoute, c'est un sentiment de joie. Mm-hmm. Parce que généralement, les gens ont tendance à comprendre que les caméramans ne passent jamais devant la caméra. Pourquoi? Bon, mm-hmm. c'est une très belle question, mais écoutez, si tout le monde doit passer devant la caméra, on ne verra pas aussi les stars que vous avez envie de rencontrer et surtout de voir devant la caméra. D'accord. Donc, nous, ça fait partie de notre travail. D'accord, voilà. D'être derrière la caméra. D'être derrière toute la caméra. Alors, est-ce que c'est évident de rester debout longtemps? Parce que quand on est cadreur, il faut apprendre à rester debout longtemps. Par exemple, là, on est en studio. Et ce que vous ne savez pas, ce que vous ne voyez pas, c'est qu'il y a 4 caméras et tous les cadreurs sont debout. Donc, c'était un métier que l'on fait debout? Effectivement, c'était un métier que l'on fait le plus souvent debout, en tout cas. Ce n'est pas mmh. facile. Mmh. Mais nous sommes les gérer parce que c'est un métier que nous avons choisi quand même. Mmh. La preuve en est que maintenant, nous sommes en studio. Tous les cadres que vous voyez ici sont arrêtés. Mm-hmm. Ils ont accepté le métier. Mm-hmm. Ils gèrent, ils acceptent, mm-hmm. quel que soit le temps que tu mettras sur pied. En tout cas, c'est un métier que nous avons appris. D'accord. Et nous assumons et nous sommes là-dedans quand même, quelles que soient les difficultés. D'accord. Là, on voit Madame Dindané à l'antenne. L'antenne voilà. C'est pour montrer qu'il y a également beaucoup de femmes justement. Aujourd'hui qui ont choisi ce métier. Ouais. Et c'est tout à leur honneur, en tout cas, Madame Dindané. Voilà. Très bien. Alors, quel est votre message pour la Tabaski? Pas grand message surtout, mais je voudrais dire à la population ivoirienne que cette fête de Tabaski soit pour nous une fête surtout qui va amener les uns et les autres à la réconciliation. Parce que nous avons tant demandé cette réconciliation, mais nous voyons que c'est en train d'aboutir, mais que ça soit aussi un moment propice pour nous musulmans surtout de se réconcilier et de faire réconcilier nos parents qui ne sont pas aussi musulmans que nous. Moi, personnellement, c'est ce message que j'ai pu lancer à toute la Côte d'Ivoire. D'accord. En voilà. tout cas, merci à vous. Et nous avons choisi aujourd'hui de vous mettre en avant, parce que c'est nous qui sommes en avant. Mais c'est grâce à vous qu'on arrive à être à l'antenne ou à avoir des éléments très bien montés. Merci et puis félicitations. Et c'est un travail d'équipe, effectivement. Okay. Merci à vous. C'est à vous le merci aussi, madame. Merci. Merci et bonne fête à vous. Samé, Samé. Voilà. Très bien. Nous avons d'autres métiers que nous avons choisi de vous montrer aujourd'hui dans le cadre de ce magazine spécial. Alors, mais d'abord quelques sonorités de notre invité spécial, Sally Djeli. Wodu kamu soluma wuladinye Wolidinye ivwariyema, wolidinye ivwariyema wuladinye
ni bari e mo baluma o ladinye Fule male fule fule male fule kane kadiange lo Fule male fule kane kadiange lo Polidinya kama tema, polidinya kama tema, wola dinye. Kama te dosu luma nema barika. Polidinya wanu kama, polidinya wanu kama, wola dinye. Wanu kado shami wunema barika. Polidinya wodu kama polidinya wodu kama wola dinye Kani ngano shami wode mabaika Polidinya limye luma polidinya limye luma wola dinye Mizata metede wode mabaika Polidinya sangarima polidinya sangarima nefabarika Salut Jelly, je vous rappelle que notre invité est spécial pour cet événement spécial, ce jour spécial et ce magazine spécial. Nous avons également choisi de mettre en avant des métiers de l'ombre de la télévision. Ils ont ceci en commun, musulmans ou non, là n'est pas la question. Tous en boubou pour communier en ce jour spécial. Ce sont des métiers que vous n'avez pas souvent l'occasion de découvrir. Ce sont des personnes de l'ombre. Nous, à l'antenne, nous ne sommes que la partie visible de ce que l'on appelle ce immense iceberg. Il y a des personnes qui, de manière constante, de manière quotidienne,